Dziś pierwszy wykład, na który udało nam się zaprosić Sophie Bias-Fabiani, która przyjechała do nas specjalnie z Muzeum Rodyna. Na co dzień pracuje w Muzeum Rodyna, opiekując się zbiorami rysunków, grafiki, malarstwa. Ma swoją kolekcję ogromną ilość dzieł Rodyna. Dzisiejszy wykład będzie wykładem, w którym Sophie zaprezentuje nam swoją metodę badawczą twórczości Rodyna, a więc metamorfozy twórczości Rodyna, motywy przekształcania, łączenia. To jest coś, co zafascynowało Sophie w twórczości właśnie Rodyna, czemu poświęciła także wystawę, która miała miejsce w Montrealu. Pokazuje nas w katalog, ogromny katalog tej wystawy. Jej premiera miała miejsce w Montrealu, była też w Holandii, w Korpie. Sophie przygotowuje teraz wystawę rysunków do Londynu, do Woodward Institute, a dziś będziemy mogli posłuchać o jej patrzeniu na twórczość, przede wszystkim twórczość Nikola Augusta. Alors, je vais vous parler des métamorphoses chez Rodin. Alors, par métamorphose, j'entends d'abord un moyen de décrire sa création dans son atelier, mais aussi de rendre compte comment il conçoit cette création, bien que cette création, il n'en parle jamais véritablement. On a quelques écrits de Rodin, qui sont plutôt des entretiens que des historiens, des critiques d'art ont fait, ont donné, et on a rapporté ses paroles, alors que Rodin est connu pour ne pas beaucoup parler et pour être souvent un peu énigmatique, et les critiques d'art ont beaucoup interprété et se sont fait l'interprète de la pensée de Rodin. Donc c'est voir comment on peut comprendre son œuvre d'un point de vue matériel et d'un point de vue intellectuel. Il faut savoir que le matériau essentiel de Rodin dans lequel il pense, c'est la terre, l'argile et le plâtre, puis aussi, à mon avis, le dessin. Comme je suis conservatrice au musée Rodin du cabinet d'art graphique, évidemment, je pense que le dessin est important dans l'œuvre de Rodin, mais ce qui m'intéresse, c'est très souvent de faire un lien entre la sculpture et le dessin, et peut-être pas de sculpture à dessin au sens où on imagine que Rodin va faire des dessins préparatoires, mais plutôt dans une manière de concevoir le travail artistique. Alors, ce qui est intéressant chez Rodin, quand on l'appréhende de cette manière, c'est de voir qu'il peut être conçu à la fois comme le dernier des sculpteurs classiques, mais aussi
qu'il a une telle radicalité dans l'invention qu'il peut être perçu comme le premier des sculpteurs modernes. Et j'espère que vous comprendrez aussi la raison pour laquelle j'emploie de temps en temps un vocabulaire qui est plutôt anachronique, comme le terme d'assemblage, puisque le terme d'assemblage en art, en sculpture ou en art plastique n'existe pas à l'époque de Rodin. Alors c'est aussi comprendre comment une sculpture ou un morceau de sculpture se transforme en passant d'une histoire à une autre et en passant d'une inspiration littéraire à une autre ou d'un registre religieux à un registre mythologique ou profane. Et comment aussi on peut passer donc du dessin à la sculpture et à nouveau au dessin. Donc je vous lis quelques phrases qu'Auguste Rodin a publiées en 1910, et il dit « C'est à moi de saisir et de retenir la ligne qui me paraît vraie. Il en est des attitudes et des mouvements comme des vagues de la mer. Elle et il varient à l'infini. Toute la beauté humaine est contenue dans la fable de Protée. Toute une vie, toute une œuvre d'artiste arrive à peine à les fixer, pas même à ébaucher, à saisir quelques aspects de la nature. La nature aux formes mouvantes et illimitées. Donc la référence à Protée est intéressante parce que Protée est une divinité marine et qu'il est doté du don de prophétie et de pouvoir se métamorphoser. Et ce que je vous ai lu, c'est une des premières publications dans lesquelles Rodin s'exprime sur sa création. Donc je vais commencer par le début, par la carrière de Rodin. Il est né à Paris en 1840 et son projet esthétique connaît une maturation lente. Il est d'origine modeste et il ne se familiarise que progressivement à l'art. C'est intéressant parce qu'il n'est pas, il ne réussit pas le concours d'entrée à l'école des Beaux-Arts, la grande école, et il étudie ce qu'on appelle en France la petite école, qui est en fait plutôt un ancêtre d'une école des arts décoratifs. Et plus tard, il dira que c'était sa chance, puisque au fond, il n'a pas été formaté comme les autres artistes, et que c'est comme ça que son invention finalement n'a pas été bridée et que ça lui a permis d'échapper à l'académisme. Alors ce qui est intéressant dans cet enseignement, c'est que c'est un enseignement qui est basé sur le dessin de mémoire. Alors il ne faut pas non plus en faire une théorie trop forte, parce que quand on est historien de l'art et qu'on applique des méthodes de recherche historique et qu'on essaye de croiser les différentes informations, il apparaît qu'effectivement Rodin travaille de mémoire. Il dit qu'il rentre le soir à l'hôtel quand il est en voyage et qu'il dessine de mémoire, mais on voit qu'il achète aussi des cartes postales, qu'il a des photographies, qu'il a aussi d'autres instruments pour se souvenir de ce qu'il voit. Rodin se trahit pour nous historiens parce que quand il a donné toutes ses œuvres à l'État français, il a donné également tout ce qu'il avait chez lui, c'est-à-dire ses archives personnelles et ses lettres, ses courriers. Alors, ce qui est intéressant, c'est que de cette attitude
l'idée finalement marginale des situations qui n'est pas celle des autres artistes. Il en fait une ressource et il travaille au départ pour vivre notamment, puisqu'il a besoin de gagner de l'argent pour pouvoir survivre, dans des ateliers d'art décoratif et notamment dans celui d'Albert Ernest Carrier-Belleuse. Et il travaille également à la manufacture de céramique de Sèvres, qui est le grand lieu où on fabrique de la céramique, et il est embauché par cette personne pour mettre en œuvre des inventions nouvelles pour essayer de vraiment renouveler l'art de la céramique à la fin du 19e siècle. Et ce qui est intéressant dans cette pratique, c'est qu'elle est un peu différente des sculpteurs et qu'on est amené à produire quand même à une certaine grande vitesse des œuvres qui doivent, qui comprennent des encadrements, des décorations, et donc on essaie de dupliquer pour aller plus vite, notamment dans les parties qui sont strictement décoratives. Et que c'est une méthode qu'il va appliquer dans la sculpture, donc qui est une pratique un peu plus noble du point de vue de l'histoire de l'art, et qui est intéressante. Et on peut considérer la première partie de la vie professionnelle de Rodin comme une lente accumulation de compétences qui lui permet de reformuler son projet dans son propre langage, c'est-à-dire qu'il va se réutiliser maintenant des éléments de sculpture qu'il a mis au point à différents moments. Alors, la création de Rodin, on peut dire qu'elle est particulièrement centrée autour de ce qui est une œuvre majeure chez Rodin, qui est la porte de l'enfer. Alors, la porte de l'enfer, c'est une commande qui a lieu en 1880, qui est une commande de l'État français pour qu'il travaille sur une porte de musée qui va être la future porte du musée des arts décoratifs et qui ne trouvera jamais une véritable réalisation puisque ce projet ne va pas déboucher sur une porte qui existera. Puisque le projet est annulé à l'endroit où on avait décidé de le faire. Mais cette porte, il a été payé pour faire un projet, et pendant 20 ans, il va y travailler. Et comme il a été payé, il est supposé en rendre compte. Les membres du gouvernement français, du ministère, vont venir voir l'avancement du projet. Et le milieu artistique en attendra beaucoup et attend de voir. Et la première présentation a lieu en 1900. Donc là, vous avez un dessin qui est une des premières pensées pour la porte. Et ce qui est intéressant, c'est que Rodin part toujours d'une conception assez traditionnelle dans ses commandes. Et vous avez une porte qui reprend l'idée et le modèle de Liberty en Italie à la porte du baptistère à Florence, donc une porte avec des caissons, des décors latéraux, un tympan. C'est quelque chose qui va totalement disparaître ensuite, mais pour lequel il dessine pendant un an. Et le sujet, c'est la Divine Comédie de Dante, au départ. Donc il dit qu'il vit avec le livre de l'enfer de Dante dans la poche pendant un an. Et nous avons de très beaux dessins de Rodin qui sont conservés de ce moment-là. Alors, vous avez déjà ici des choses qui vont être... être utilisé ensuite. Vous avez ici quelque chose qui surmonte la porte et dont on retrouvera des traces ensuite, et puis une sculpture au centre
qui est peut-être une première idée pour le penseur, mais qui, vous l'imaginez bien, pose un problème pour l'ouverture de la porte. Et en fait, on peut en rire, mais la porte ne s'ouvrira jamais puisqu'elle est complètement collée. Et c'est une des choses amusantes. Donc là, vous avez une des premières idées aussi sculptées, parce qu'il réfléchit à la fois en dessin et directement en sculpture. Ça n'est pas la bonne, ce n'est pas lui qui a demandé à ce que ce soit fondu en bronze. C'est quelque chose qui existe sous forme de cire. Donc on a deux types de matériaux au départ qui sont soit la cire, soit la terre cuite. Et dans ce cas, quand c'est la cire ou la terre cuite, il fait ça avec des petites boulettes, et vous avez des petites boulettes qui font parfois les têtes de personnages. Donc là, vous voyez que vous avez déjà une évolution, et que vous avez déjà un grand morceau plutôt que cinq caissons rectangulaires. Et vous avez déjà ici aussi le penseur qu'on peut bien délimiter. Vous avez ici Ugolin, donc on en reparlera. Et puis là, l'histoire de Paolo et Francesca qui donnera ensuite le baiser. Mais il trouvera l'histoire de Paolo et Francesca, cet amour adultère tellement finalement serein dans son amour qu'il trouvera que ça ne fonctionne pas dans la porte et il changera d'avis. Voici la porte telle qu'elle a été exposée en 1900, donc à sa première grande exposition, il expose la porte, il a retiré toutes les figures. Alors normalement, toutes les figures sont rajoutées après, une fois que la porte est montée, et les figures, s'emboîtent, et on a les figures qui sont à part, qui sont numérotées, et donc là vous avez des trous pour pouvoir rajouter les figures, que finalement ils ne rajoutent pas. Et donc il faut aussi penser que c'est une interprétation de la porte de l'enfer, peut-être un lieu où il n'y a même plus le corps humain. Et pour vous donner aussi comment sont les conservateurs de musées, vous avez la porte telle que finalement il ne l'a jamais présentée, mais telle qu'il a pu la penser à un moment. Et c'est le premier conservateur du musée Rodin qui décide de faire fondre la porte une fois que Rodin est mort pour qu'on puisse en avoir un exemplaire précis. Donc je vais vous montrer des morceaux de la porte qui sont un peu difficiles à voir, donc je vous les montre bien. J'attire votre attention sur les trois ombres qui couronnent la porte. Donc dans le texte de Dante, de l'enfer de Dante, vous avez justement tous les cercles dans lesquels les ombres sont portées, et ces ombres sont faites d'après Adam, puisque à un moment il avait pensé mettre en plus de la porte à l'avant Adam et Ève. Alors, je vais vous montrer des figures qui sont celles-ci, l'homme qui tombe et métamorphose, et puis peut-être aussi celle-ci, qui est un homme, la tête est là, il a les deux bras là, et il a une jambe qui est tendue là. Et cet homme qui tombe, vous en avez un autre exemplaire là. Et puis, je vais vous montrer Glaucus qui est là. Il faut que vous me croyez un peu parce que ce n'est pas très clair. Alors, le premier, c'est cet homme qui tombe. Il tombe, donc là, il est pris dans l'architecture dans laquelle Rodin pense l'insérer. Mais le génie de Rodin, ça va être d'utiliser toutes ces figures qu'il pense pour la porte de l'enfer comme des sculptures qui deviennent ensuite autonomes et qui sont qui ont des titres, qui sont fondues en bronze, moulées en bronze, et qui deviennent des figures indépendantes. Donc là vous l'avez seule de face. Les sculptures de Rodin, c'est extrêmement important de pouvoir tourner autour. Là, vous l'avez avec la femme qu'il a dans les bras, dans la porte de l'enfer.
La femme qu'il a dans les bras, on le voit, alors elle est recroquevillée ici, vous avez la tête, la jambe qui est comme ça avec le pied, là vous avez un bras, et puis là vous avez l'autre pied, et elle s'appelle Iris, et c'est la femme agenouillée ici. Donc chaque figure peut devenir une figure seule ou en couple ou dans la porte. Donc ça c'est cette espèce de répertoire qu'il met, et ensuite il va les faire à des dimensions différentes, et il a aussi une capacité à répondre à la demande de, je dirais, de sa clientèle, des gens qui veulent bien lui acheter, de ses collectionneurs. Et ça va devenir aussi un nouveau travail, parce que plus les figures augmentent, plus il va les modifier en les augmentant de taille. Alors ici, vous avez un autre type de figure qui tombe. Ce qui est aussi important, c'est de voir que toutes ces figures sont un peu en état d'apesanteur, mais sont en train d'essayer de remonter vers le haut de la porte, vers le paradis, soit au contraire sont complètement aspirées par le bas et n'arrivent pas à remonter, rejeter. Et dans beaucoup de dessins, on va retrouver aussi cette recherche de faire flotter les figures dans l'espace de la feuille de papier ou dans l'espace de la porte de l'enfer. Alors, on a cette espèce de figure qui tombe ici, dans cette figure-là, qui est reprise de la porte de l'enfer. Et on a, c'est un groupe qui s'appelle Fugit Amor, donc la fuite de l'amour, et avec une femme qui est ici et l'homme qui lui collait là, et qui sont typiquement deux figures qui essayent de s'accrocher à la porte. Alors ici, c'est le deuxième morceau que je vous avais montré sur la porte, qui s'appelle Métamorphose. Ça vient des métamorphoses d'Ovide, donc il y a une espèce de glissement dans l'inspiration de Rodin, qui vient aussi de ce qu'on retrouve certaines figures de l'Antiquité grecque dans le texte de Dante, puisque toute l'Antiquité n'est pas intégrée dans la perception chrétienne et ne peut pas aspirer à être au paradis. Et vous avez une femme qui est sur un enfant. Vous avez toujours ce décor ici, végétal, qui va disparaître complètement dans la dernière version de la porte. Ici, vous avez ce groupe dans l'autre sens, parce que je l'ai pris à un moment où c'est la même œuvre que précédemment, mais vue d'un autre angle quand elle est à plat. Et puis, vous avez ici le groupe de métamorphose qui devient une sculpture autonome, qui est fondue. Et pour que l'œuvre tienne, il faut qu'il y ait cette partie-là. Il utilisera aussi d'autres socles pour la même œuvre, et ça fera encore des œuvres différentes. Alors, sur Métamorphose, il vend une de ses œuvres à Copenhague, et le propriétaire lui demande, enfin, Métamorphose, c'est un peu vague pour Ovid, de qui s'agit-il ? Et il lui dit qu'il s'agit de la nymphe Salmacis, qui est amoureuse d'un hermaphrodite, et donc ça correspond effectivement à une des métamorphoses qu'Ovid décrit. Et il lui dit: Londine découvre le jeune homme et s'éprend de lui, et leurs deux corps s'unissent pour n'en former plus qu'un. À une certaine époque, j'avais pensé appeler ce groupe la mort de la jeune fille. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que dans la manière dont il donne des titres
aux œuvres, finalement, l'évolution, enfin, l'œuvre évolue dans son contenu et n'est pas toujours le même. Et ça va être aussi quelque chose qu'on va retrouver énormément dans les dessins. Alors, un des critiques qui a suivi Rodin, il décrit ainsi le travail de Rodin dans une de ses publications. Il dit « Il improvisait à chaque instant une petite figure exprimant la notation rapide d'une sensation, d'une idée ou d'une forme, et l'insérait dans la porte auprès des autres figures, puis la déplaçait et au besoin la brisait pour en utiliser des fragments à d'autres recherches. Beaucoup de ces figures sont devenues des groupes plus importants et distincts. » Donc c'est pour vous montrer aussi que ce que je vous dis est étayé par un discours de contemporain de Rodin et qu'il a confirmé puisque ce sont les critiques dont je vous lis des morceaux, ce sont des critiques qui ont vraiment été autour de Rodin et qui l'ont beaucoup soutenu et avec qui Rodin a beaucoup de rapports. Alors, un exemple d'inspiration aussi qui n'est pas retenu. Ici, on a une figure qui a été alors, remoulée, c'est une figure dont il manque la tête. Il y a une base qui est blanche avec des petits trous. Et cette base blanche et les petits trous, c'est parce qu'il retrempe la figure une fois en plâtre, une fois qu'elle est moulée ou sèche, dans dans un liquide en plâtre qui est beaucoup trop liquide, qui a trop de gaz, et donc en la ressortant, les gaz font ces petites bulles ces petites bulles d'air et ces petits cratères en éclatant. Et c'est une manière qu'a Rodin d'utiliser finalement quelque chose qui est technique, une maladresse peut-être technique au départ, et il a écrit au crayon sur la base poix bouillante. Alors la poix, c'est ce qu'on utilise pour rendre les bateaux, les coques des bateaux étanches, et c'est également le terme qu'utilise Dante dans l'enfer pour décrire la masse dans laquelle les ombres, les personnages sont plongés. Et donc il parle de poids brillante. Donc là on a bien une réflexion en sculpture sur comment Rodin peut traduire quelque chose relativement avec beaucoup d'immédiateté et beaucoup d'invention, beaucoup d'originalité. Et ça, c'est une œuvre qu'on a regardée comme ça il n'y a pas très très longtemps. Les inscriptions, au fond, sur les sculptures, on les a très peu regardées. Alors, il passe de l'enfer de Dante à Ovid, mais il passe aussi à Baudelaire. Alors, pourquoi Baudelaire ? C'est un poète qui est, disons, très lu et très important à la fin du XIXe siècle en France. Et Paul Gallimard, qui est un éditeur, donc les éditions Gallimard sont encore aujourd'hui de grandes éditions, a un exemplaire original de Baudelaire et lui demande de le découvrir, de l'illustrer. Donc, la couverture n'est pas de Rodin, elle est d'un autre artiste qui est relieur, et lui va mettre des dessins comme ça qui interviennent, et Rodin, quand il illustre un livre, il ne décalque jamais beaucoup
le texte, c'est plus une interprétation plus globale, et où il va souvent réutiliser des images qui existent antérieurement. Et là, c'est justement une des sculptures qui est utilisée pour la porte de l'enfer, et qu'il réutilisera aussi pour un monument à Victor Hugo quelques années plus tard. Alors, une autre figure, donc c'est une toute petite figure, c'est Glaucus, c'est également une divinité marine, c'est un monstre qui possède, c'est un... c'est un dieu marin qui est courtisé par Scylla, donc qui est cité dans les métamorphoses d'Ovide, et vous l'avez à plusieurs reprises dans la porte, à la fois de face et de dos. Donc voici une petite figure de face, et voici la même figure de dos. Et là, vous avez justement l'emprise de la porte, puisque c'est comme une espèce de brique, et c'est donc bien c'est bien le travail qu'il est en train de faire pour l'insérer dans la porte et avec la tête qui est à moitié dans la porte. Donc voilà par exemple un moment antérieur où il y a encore ces épines qui décorent la porte, et vous l'avez ici. Et ici vous avez une ribambelle de petites têtes qui disparaîtront plus ou moins aussi, mais qui font aussi l'objet de beaucoup de dessins. Et alors, cette personne, il va l'associer, il va faire des essais avec diverses sculptures qu'il va mettre ensemble et qui n'ont pas toujours exactement la même échelle, mais qui, des fois, ça peut marcher, des fois, ça devient... Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que le statut de ces œuvres est un peu ambigu, puisque, pour moi, ce sont des expérimentations, et on ne sait pas si elles ont convenu ou pas. Il ne les a pas forcément moulés, il ne les a pas forcément vendus, mais en tout cas, il les a conservés dans son atelier et il ne les a pas détruites. Donc là, vous avez un corps, un demi-corps d'homme ou de femme. Là, vous avez une femme qui est dans ses bras, face à face. Là, Glaucus a une tête. Là, vous l'avez avec... une autre manière, hein, une étreinte, et la personne qui surgit au contraire du mur. Et là, vous avez deux petites sirènes, hein, et ces deux petites sirènes, il va les plaquer et les coller. Alors, c'est très simple, sa manière de coller, c'est on met un peu de plâtre frais, on pousse et ça marche. Alors, cette œuvre, elle est assez étonnante parce qu'elle est assez inaboutie. Celle de droite, parce qu'on a on peut la mettre soit sur la base des sirènes, soit sur la base de l'homme, soit sur une base intermédiaire. Et nous, conservateurs, ben, on prend la base intermédiaire, mais au fond, on a, là, elle est sur la base intermédiaire. Mais on n'a pas de traces pour savoir. Alors, autre type de métamorphose, c'est le Minotaure. Donc c'est une figure qui inspire beaucoup, qui est moitié homme, moitié taureau, et il a une femme qui est dans ses bras, et on va retrouver ce Minotaure à différents moments, et la femme, eh ben, elle est aussi reprise d'une autre composition. Donc voilà le Minotaure. Alors, vous le reconnaissez peut-être pas bien, mais il a sa corne ici, et le nez là, et les profils. Et on lui a mis dans les bras une femme, donc c'est une femme qui est en train de tomber avec les bras en l'air. Elle n'a plus de bras, c'est pas très grave. On a rajouté des mains au Minotaure pour qu'il puisse tenir la femme. Et puis, il y a une inscription, alors la femme n'a pas vraiment de jambes, et l'inscription, elle dit « queue de poisson ». Donc, vous pouvez imaginer ce que vous voulez, peut-être que c'est à vous de finir la sculpture,
ou c'est son idée, c'est l'idée qu'il a et il n'est plus jamais revenu. Enfin, voilà, c'est des... Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on a vraiment les traces de l'ancienne sculpture, où ça a été coupé net, hein, et à la base aussi, on peut voir les traces de la coupe. Et il y a comme ça une forme un peu inachevée. Alors, il y en a une qui a été patinée ou qui a été utilisée pour une fonte de bronze ou qui, je ne sais pas quoi. Ce sont des œuvres comme ça qui nous aboutissent dans nos réserves et qu'on regarde aujourd'hui avec un nouvel œil et avec justement un nouvel œil sur les possibilités d'invention de Rodin. Il faut savoir que pendant longtemps, Rodin a été admiré pour ses bronzes et pour ses marbres, et que là, on est en train de regarder vraiment les œuvres en plâtre sur lesquelles il travaillait. Donc, autre type d'œuvre, je crois qu'il s'appelle La Confidence. Alors, La Confidence, et vous avez là aussi un corps de femme, une tête qui n'est pas la tête qui correspond au corps de femme, et ici une petite tête dont je vous montrerai après d'où elle vient. Je n'ai pas bien, je pense, mis dans l'ordre de la diapositive. Et c'est la tête en modèle réduit d'un bourgeois de Calais, mais vous avez une rupture d'échelle. La tête est beaucoup trop grosse pour le corps, et du coup, il y a une espèce de poésie nouvelle qui en surgit. Alors, cette petite statuette, c'est une centauresse, donc quelque chose aussi qui est dans le... Il y a beaucoup de centaures dans l'enfer de Dante. C'est un moment où il doit être transporté par... Dante doit être transporté par un centaure. Donc, vous savez que Rodin a quand même toujours été très attiré par les femmes, et il y a des centauresses. Alors, cette femme, elle est ici, c'est une femme. Très souvent, on a la tête qui est à ce niveau-là, hein, quand on a des centaures. Et ici, vous avez la partie cheval, qui est en fait la réutilisation d'un monument à Sarmiento, qui est un monument qui lui est commandé en Argentine, et donc c'est le cheval d'une statue équestre, donc quelque chose qui est relativement classicisant, et là tout est complètement détourné. Alors vous avez cette figure, je vous ai montré tout à l'heure sur la porte, elle était presque au milieu, sur la porte de l'enfer, la tête à l'envers. Donc elle s'appelle Mercure, et là c'est comment on travaille aussi, comment on fabrique la sculpture. Tout le voile qui l'entoure est en fait du papier journal grossièrement chiffonné et plongé, où on a un peu versé de plâtre sur le vêtement. Et cette figure, à un certain moment, elle va avoir une petite femme sur la jambe, donc la femme qui grimpe sur la jambe de l'homme. Donc là aussi, on a cette capacité d'inventer avec peu, et puis de donner une nouvelle sculpture, parce que c'est une sculpture qui est présentée parfois avec une jambe en moins, parfois avec une femme sur la jambe, et puis en principe sans le drapé qui l'entoure. Alors, autre type d'invention, ici, c'est un monument à Puvis de Chavannes, donc, qui est un peintre aussi de la fin du XIXe siècle, avec qui, un peintre symboliste, avec qui Rodin s'entend beaucoup, s'entend très bien. Ici, c'est le génie du repos éternel. Vous aurez des versions où le génie n'a pas de bras, et il est tout seul à se pencher sur une table, mais on ne comprend pas très bien, hein, pourquoi il est penché. Vous avez ici un branchage.
Ce branchage, il est simplement une branche qui a été aussi enduite de plâtre, et parce que c'est beaucoup plus rapide. Et vous avez donc la proposition pour un monument. Et vous avez ici le portrait de Puvis de Chavannes, dont je vous parlerai un peu plus tard, qui est repris alors qu'il avait fait un portrait seul pour Puvis de Chavannes. Alors, autre capacité d'invention et d'assemblage, cette sculpture s'appelle l'Ecclésiaste. Donc, il s'agit d'une petite femme qui est renversée sur le dos, dans une position, disons, très érotique, et elle est couchée sur le livre de l'Ecclésiaste, donc le livre de la Bible hébraïque, qui invite à réfléchir sur la vanité des choses et les péchés. Et pour le livre, il a simplement pris un vrai livre qu'il a là aussi enduit de plâtre. Donc vous avez quelque chose qui sera profondément, comment dire, qui influencera profondément tous les autres artistes et qui sera repris dans tout ce qui est l'assemblage par la suite au début du XXe siècle, et qui fait que Rodin est vraiment un précurseur. Pardon. Alors, autre exemple, c'est comment réutiliser les portraits. Donc là, c'est le portrait de Madame Rossel, donc quelque chose qui est un portrait un peu à l'antique, un peu antiquisant. Et sur la tête, il va lui mettre cette espèce de casque. Et donc c'est une statue, une sculpture, pardon, sur laquelle il y a des inscriptions aussi au crayon à cet endroit-là. Et il écrit statue, casque pointu et Bacchus indien. Donc il est en train de refaire une nouvelle, comment dire, un nouveau dieu, Bacchus, avec quelque chose qui est un peu un casque un peu guerrier, mais ce casque est simplement formé de morceaux de quelque chose qu'il devait avoir, qu'il a cassé et qu'il a collé de la même manière. Alors, une manière aussi de travailler qui est assez étonnante, c'est à gauche, vous avez une sculpture de Mahler, donc c'est un portrait qui est proche de l'artiste et des portraits d'artistes et de l'artiste tel que de Mahler, du musicien tel qu'on a pu le voir, mais au lieu de faire un vrai buste, là il l'a monté sur une espèce de promontoire en plâtre un peu informe qui contraste très fortement entre le côté très fin du portrait et puis le côté très brut de la base. Et l'autre sculpture, c'est une sculpture en marbre, et donc vous voyez que le bloc de marbre a permis une réinterprétation et une sculpture totalement nouvelle. Et là où Rodin est étonnant, c'est que c'est le portrait de Mozart, un musicien autrichien ressemblant forcément à un autre musicien autrichien. C'est aussi la référence à l'idéologie de Taine, comme quoi il y avait des types physiques selon les territoires et selon les régions. Donc, deux portraits avec le même visage au départ est quelque chose qui est totalement différent. Alors, Rodin a été très intéressé aussi dans tout ce qui était les extrémités et les mains. Donc les mains, ça lui a permis de faire de nouvelles sculptures. Alors celle-ci, c'est la main de Dieu. Donc la main de Dieu, il me semble que vous l'avez ici, attends, j'ai un trou de mémoire, vous l'avez dans les salles d'exposition. Donc là, vous n'avez que le dos, mais la main de Dieu tient dans sa main un homme et une femme, Adam et Ève, quelque chose de relativement normal. Mais là aussi, vous avez la réutilisation d'une main qui est une main de bourgeois de Calais, dans laquelle on a rempli et collé un petit groupe
une petite sculpture déjà autonome qui sont Adam et Ève. Donc voilà la façon dont Rodin travaille. Alors là, vous avez la version, je pense, la version préparatoire au plâtre. Donc qui est une version, là aussi, qui est grande, alors qu'il y a une première version qui est beaucoup plus petite. Et puis là, vous avez donc la main de Dieu au fond. En premier plan, la main du diable. Donc c'est celle qui est dans les salles ici. C'est une sculpture un peu particulière. Donc voilà le dos. Donc on ne comprend pas toujours très bien, mais on voit quand même que la main du diable tient une petite figurine dans la main avec les jambes repliées. Et voici en fait la version de travail de départ. Et donc là, on voit bien que la figure, au lieu de jambes qui se replient, elle a deux bras. Donc là aussi, il a coupé la petite statuette à l'origine, et puis il a repris des bras d'une statue, d'une autre petite sculpture, et il les a collés, et il en a fait la main du diable. Donc il faut bien comprendre ce côté un peu symboliste, et tout le travail qui fait avec ses mains de différentes, disons tous ces collages qu'il met à l'intérieur des mains, ça fait partie de la veine la plus symboliste de la sculpture de Rodin. Alors, comment il fait ? Donc là aussi, c'est une main du célèbre groupe les Bourgeois de Calais. Donc voilà aussi ce qu'on a chez nous, c'est-à-dire pour préparer le travail de collage et pour aller plus vite, il a fait mouler des mains, des pieds, des têtes, des bras repliés, tout est à part, et on en a des tiroirs entiers, donc on en a, je ne sais pas, presque toute cette salle-là en tiroir, en meuble à plan. Sur un mur, et il était connu pour faire ça, et on en retrouve les traces puisqu'il y a un certain nombre de bras qui ont été moulés et qui n'a pas utilisé. Alors là aussi, il a une main, c'est un marbre, donc il a utilisé un bloc, une main qui surgit d'un bloc de marbre. Et ça en fait une autre expression et quelque chose d'intéressant. Alors cet intérêt pour les mains, il l'a aussi pour d'autres parties du corps qu'il va pouvoir utiliser. Et ici, je ne sais pas si vous reconnaissez, c'est le pied du penseur de Rodin. Donc il en reste, il a gardé le pied. La photo ne coupe pas la sculpture, vous l'avez dans la totalité. Et à partir de l'exposition de 1900, dans laquelle, au fond, il s'autoproduit, il décide en 1900 de faire une grande exposition face à l'exposition universelle à Paris, d'avoir son propre pavillon dans lequel il met ce qu'il veut. Et c'est là où je vous ai dit qu'il présentait pour la première fois sa porte de l'enfer en plâtre sans les figures. Et il présente aussi un certain nombre de sculptures comme celle-ci. Il va se poser la question de comment présenter toutes ces sculptures, comment essayer d'animer, comment les mettre à la portée des gens qui viennent. Et il va rechercher finalement une base qui va mouler. Il va utiliser des moulages du musée du Louvre, des antiques. Donc il va aller très simplement à l'efficacité. Il en a beaucoup à faire. Un certain nombre sont toutes les mêmes bases, mais vous avez quand même une variation sur 3-4 modèles. Et donc là, vous avez le pied du penseur. Alors, autre exemple, il a fait une grande sculpture qui est un hommage, un monument au départ à Whistler.
il n'a pas voulu faire le portrait de Whistler, donc il a fait la muse inspiratrice du peintre Whistler, du peintre anglais. Et finalement, à un certain moment, il va d'ailleurs couper les bras de cette muse, et il va réutiliser le bras, et il va le présenter comme si c'était un portrait, en quelque sorte, de la même façon qu'il a pu présenter le pied. Et donc, il y a cette espèce de très grande verticalité dans l'œuvre de Rodin. Alors, autre exemple, toujours avec une rupture d'échelle, l'assemblage de mains qui sont un peu trop petites, et d'une figure qui est celle de, au départ d'Adam, et qui sera la dent qui est réutilisée. Donc voilà la peau qui est réutilisée pour cette sculpture. Et ça, c'est Adam qui a été pensé pour être devant la porte, et puis qui finalement va se retrouver sous forme de couronnement de la porte de l'enfer. Et là, vous avez bien trois fois la même sculpture. Alors c'est absolument étonnant, parce que même quand on est face à cette sculpture, on n'a pas l'impression que c'est trois fois la même figure qui est reproduite. Et c'est, je dirais, tout le génie de Rodin, et aussi sa capacité à produire des figures qui ont des angles totalement différents selon l'endroit où on les voit. Et c'est toujours très difficile, même pour moi qui passe quand même du temps dans les réserves, des fois de reconnaître une sculpture, parce que si on ne la voit pas dans le bon sens, au fond, on ne la reconnaît pas tout de suite d'emblée, si c'est d'un point de vue qui est particulier, sur lequel qui n'est pas le point de vue principal. Donc voilà, je vous rappelle que les figures sont en haut. Alors, cette manière de faire des sculptures avec plusieurs fois la même figure, là aussi, c'est Rodin qui l'invente. Et on en a d'autres exemples. D'autres exemples, c'est ici « Trois vertus ». C'est le titre de la pièce, donc trois petites pièces. Et puis ici, trois petites faunesses. Donc là aussi, trois personnes, trois fois les mêmes. Et c'est ce personnage-là de Faunès qu'on retrouve sur le Mercure, ici. On ne le voit pas bien. Et c'est ce Mercure-là que je vous ai montré tout à l'heure, avec ce drapé avec du papier journal. Alors, il faut bien penser qu'il a la même attitude au niveau du dessin. Et donc là, on a une espèce de double portrait assez original de quelqu'un qui accompagnait la troupe de danseuses cambodgiennes en 1906 à Paris, et que Rodin a beaucoup dessiné, et il a fait quelques portraits. Il faut savoir que Rodin fait beaucoup de portraits sculptés, mais très peu de portraits dessinés. Et là, on est quand même dans la période de sa vie où, pour le dessin, il commence déjà à avoir une technique où il va vers la simplification. Alors, autre manière de doubler, et je vous ai dit que ça faisait partie du côté très symboliste de son œuvre, ici c'est une œuvre qui s'appelle Cathédrale. Alors Cathédrale, alors on croit que c'est une prière, et bien pas du tout, parce que c'est deux fois la main droite. Donc là aussi c'est deux fois la même main, et on a tellement dans l'idée que c'est une prière que... on ne s'en aperçoit pas tout de suite. Il faut quand même réfléchir avant de voir que c'est deux fois la main droite. Et donc il y a une autre œuvre, je crois, qui est Secret, où c'est deux fois la main gauche. Alors, autre exemple encore, ça va être son travail sur les danseuses. Alors, son travail sur les danseuses, c'est un travail qui est assez tardif dans sa vie, qui est autour de après 1910. Et là, on a aussi deux fois la même sculpture, et on va avoir toute une série de danseuses,
et de groupes de danseuses avec parfois juste la jambe qui est dans un sens différent, ou les danseuses qui sont prises dans un sens différent. Et pour faire le lien avec la pratique dessinée, voilà aussi, pour ainsi dire, les premiers collages de l'histoire de l'art avec des papiers découpés. Et il faut savoir que Matisse, au fond, s'inspirera des papiers découpés de Rodin, qui va voir très tôt Rodin dans son atelier, que au fond, les rapports entre les deux artistes ne sont pas forcément très productifs. Matisse dit qu'il est assez déçu par la réponse de Rodin quand il lui montre ses dessins, parce qu'il dit qu'il faut qu'il travaille encore. Mais bon, ça, c'est les manquements de la vie, on va dire. Et là, vous avez donc des figures féminines qui sont juxtaposées les unes aux autres, mais on ne sait pas non plus exactement à quoi servaient ces collages et comment ils voulaient les réutiliser. Là, on a effectivement des collages à deux figures, mais on a beaucoup de figures isolées et seules qui sont pour, au fond, extraire la figure de son fond. Et ça correspond aussi à une espèce d'attitude globale dans la sculpture qui est votre petite sculpture, elle est vraiment, elle sort automatiquement du fond. Alors, autre exemple d'une sculpture qui est très connue de Rodin et qui fait l'objet de beaucoup de descriptions par les critiques, c'est une sculpture qui s'appelle Celle qui fut la belle Aulmière. Donc en fait, c'est un vers de Jacques Villon, qui est un grand poète du Moyen-Âge français. Et celle qui... Donc Aulmière, c'est celle qui a un... Ça se réfère à la femme de celui qui porte un aulme, qui est un casque. Et c'est un cas intéressant parce que c'est l'étude d'un corps qui est vieux et dont la beauté n'est pas, disons, dans l'aspect extérieur, mais dans la personne elle-même et dans sa richesse personnelle. Alors, on connaît le nom de cette femme qui s'appelle Caïra. On sait qu'elle vient d'un village des Abruzzes. Et ce qui est intéressant, c'est que cette sculpture, ce modèle, il va être à la fois utilisé par d'autres artistes, donc par Jules Desbois, qui en fera aussi une petite sculpture, et par Camille Claudel. Donc là, je vous montre celui de Rodin, et ce qu'on vient d'acheter très récemment, c'est ce dessin qui est totalement... original dans la production de Rodin, parce que c'est un dessin qui n'est pas un dessin préparatoire, mais que je pense être un dessin fait d'après la sculpture. Et ce qui est intéressant, c'est que dans un premier temps, la main ici ne figurait pas. Et cette main, si on regarde le dessin sans la main, on a le sentiment que la main manque. Et donc c'est bien pour être, parce que la main passe un peu plus derrière et elle est un peu plus longue, disons. Mais c'est comment on est obligé de s'adapter quand on est dans un médium et dans un autre avec la réalité. Et il l'offre à un critique d'art qui a écrit plusieurs articles sur lui pendant toute sa vie. Donc je pense qu'il l'offre relativement au début du moment où il est, à un moment où il est assez relativement proche de lui. Et ce critique d'art, en fait, a écrit des nouvelles, disons, littéraires, qui s'inspirent de la sculpture, qui sont une interprétation de la sculpture. Et un autre critique d'art, écrivain qui est plus connu, donc ce premier critique d'art s'appelle Guillemot. Mais il y a un autre critique d'art qui a également écrit une nouvelle d'après cette sculpture,
et chacun a sa manière un peu de voir. Et donc on a, dans ce cas-là, finalement quelque chose qui passe de la sculpture au dessin et finalement à la littérature et qui est interprété par d'autres, par des écrivains. Alors ici, c'est la même figure deux fois et c'est une sculpture qui s'appelle les sources Tari, donc les sources qui n'ont plus d'eau, puisque c'est une image de la vieillesse. Et j'ai plus pensé à vous mettre, mais il y a une autre sculpture dans laquelle la vieille femme est utilisée, où elle a un petit enfant dans ses bras, où elle est penchée sur cet enfant, et c'est presque un équivalent de ce qu'on a avec la jeunesse, où on a une femme et un jeune enfant dans ses bras, et c'est la jeunesse, le titre de la vieille femme avec l'enfant, c'est la vieillesse triomphante. Donc, à chaque fois, une nouvelle interprétation. Alors, là, c'est, je dirais, presque un peu classicisant, et par exemple, il y a toute une série de coupes dans lesquelles Rodin met des femmes. Alors, ces coupes, ce sont des coupes antiques, réelles, existantes, de sa collection. Alors, ça peut être des coupes antiques, et des fois, nous, on se pose la question, est-ce que c'est vraiment une coupe antique ou pas, mais enfin, ce sont des coupes qui sont existantes. Il met un peu de plâtre au fond de la coupe, il rajoute sa figurine, et donc ici, c'est une femme qui n'a pas de tête. Alors, je vous montre, au contraire, ici, une petite tête. Alors, c'est une tête qui est grande comme ça, hein, très très petite, c'est la version minuscule, et c'est la tête de la femme slave. Alors, cet exemplaire est particulièrement beau, parce que comme dans la figure que je vous ai montrée, qui était plongée dans la poix bouillante tout à l'heure, plongée dans la poix de la porte de l'enfer, là, il a fait deux plongeons dans la supplémentaire, disons, dans le plâtre humide, liquide, et vous avez comme ça cette très grande finesse comme d'un voile sur la figure. Alors, cette femme slave, vous en avez un exemplaire en bas, donc dans une figure en marbre, et vous avez au contraire le visage très, très, très agrandi, très simplifié, très purifié aussi, et vous avez ce même portrait, la façon dont il utilise à certains moments ce portrait. Alors, pourquoi je vous montre cette femme slave maintenant? C'est parce qu'au fond, il va l'utiliser dans beaucoup de figurines qu'il aura plongé dans ses vases. Donc là, vous en avez un exemple. Et il a aussi cette finesse, disons, d'utiliser les cassures des vases antiques pour mettre la figure qui surgit et la face. Alors ici, c'est la seule figure qu'il a exposée de son vivant dans une version très agrandie. Ça s'appelle la vase aux fées, et le vase aux fées, pardon, et là vous avez justement l'espèce de dégoulinement du plâtre qui a été mis un peu rapidement, donc comme si la femme se trempe et fait déborder l'eau de son bain, et cette figure a été agrandie sur une grande version en marbre. Alors, montrer comment aussi, l'idée, elle est très antérieure. Les vases sont relativement tardifs, hein, dans la production de Rodin. Et ça, c'est un dessin d'une coupe. À un moment, il travaille justement sur les arts décoratifs et qui montre déjà comment il cherchait à plonger les femmes dans les coupes. Alors, je vous en montre d'autres, avec tête, sans tête, débordant beaucoup. Alors, il faut savoir que Rodin appelait ses figures des fleurs, et Rilke parle d'âme florale, et donc toujours quelque chose de très poétique. Rodin est assez extraordinaire parce qu'il y a une très grande violence dans certaines sculptures, comme dans La main du diable, par exemple, où il coupe les jambes de la femme pour lui mettre des bras à la place, et puis à d'autres moments, quelque chose d'éminemment poétique, de très très doux,
enfin, pour moi, quelque chose qui est de la poésie pure. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces objets, ces sculptures, ben, on les a retrouvées relativement tardivement. Donc, celle-ci, elle a aussi un peu une tête de femme slave. Et c'est une petite poterie égyptienne. Excusez-moi, ce n'est pas une poterie, c'est un vase en albâtre qu'on a retrouvé parce que on a pu refaire la connexion, disons, parce que dans les collections, on avait ce type de figure où on avait tout qui était moulé d'un seul jet en plâtre. Donc, une espèce de variation aussi sur les matériaux, une possibilité d'assembler des matériaux qui sont totalement différents et d'en faire une œuvre. Et puis aussi, la même chose, ici un petit vase égyptien avec une femme qui n'est plus plongée dedans mais qui s'est assise et qui se coiffe. Donc quelque chose de très différent. Avec, alors c'est bien ce que je vous ai dit, des objets qui sont d'échelle totalement différentes et qui font, et leur assemblage fait surgir quelque chose, une interprétation qui est nouvelle. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est comment il peut réutiliser ses propres objets. Ici vous avez Saint Jean-Baptiste, donc, qui est une de ses grandes sculptures de jeunesse. Et quelques années plus tard, il va retrouver un torse qui aura servi à faire Saint Jean-Baptiste, et il va trouver à ce torse, au fond, une qualité telle qu'il va le conserver pour en faire une sculpture en tant que telle. Donc là, on a un moulage en bronze, et puis il va lui rajouter deux jambes, et il va le faire marcher. Et c'est l'homme qui marche. Et à la question qui sera, mais pourquoi vous ne lui avez pas fait de tête ou de jambes, il répondra, mais est-ce qu'on en a besoin pour marcher? Donc aussi un sens de l'humour assez frais, enfin, assez agréable, et une œuvre forte, une œuvre qui va vraiment marquer, je dirais, tous les sculpteurs. Et l'année prochaine, nous montrons une exposition pour le centenaire de la mort de Rodin à Paris au Grand Palais. Et on aurait pu montrer énormément d'hommes qui marchent, et on en montrera un certain nombre. Et donc vous avez la version très très maigre de Giacometti jusqu'à la version de Marcus Lupertz, donc un artiste contemporain qui a refait aussi des sculptures de cette façon-là. Donc là, vous avez le Saint Jean-Baptiste, l'homme qui marche, et puis là, l'âge des reins, qui était sa première sculpture importante. Alors l'homme qui marche, il va aussi le réutiliser dans une autre échelle. Donc l'homme qui marche, il est beaucoup plus grand que nature. Et quand je vous ai dit, il réfléchit à comment présenter ses sculptures quand il expose Pavillon d'Alma. Là, vous avez une colonne corinthienne avec l'homme qui marche totalement à l'extrémité. Donc quelque chose de vraiment nouveau encore. Ça fait une nouvelle œuvre. Et avec une économie de moyens, enfin, qui est assez étonnante. Alors là, je vous montre la photographie ancienne d'un bourgeois de Calais. Donc c'est Pierre de Vissant. C'est un épisode qui illustre de la guerre de Cent Ans. Donc, je peux vous tout raconter. Voilà la façon dont il travaille. Alors vous avez une toute petite version à droite que vous ne voyez pas bien, que j'ai pu vous montrer auparavant. Et puis vous avez différents états, parce que si je vous montre juste une tête seule de Pierre de Vissant dans un très grand format, quand c'est en photo, on ne réalise pas quel est le format. Donc là, vous avez à peu près une tête à l'échelle humaine. Et il va changer un peu à chaque fois. Il n'agrandit jamais de façon systématique. Il n'agrandit pas forcément lui-même. Il faut bien que vous pensiez que tout ce que je vous montre, au moment où il est plus productif, il a une cinquantaine de personnes qui travaillent pour lui. Donc on est vraiment dans un travail d'atelier. C'est lui qui a vraiment toute la conception, mais il a beaucoup d'aide pour faire les fontes en plâtre, la cuisson des terres cuites. On a très peu de terres cuites parce que les terres cuites sont souvent détruites dans le processus de fonte. Après, vous avez à l'extérieur
dans des fonderies, des artistes qui font la fonderie et des artistes aussi qui font la patine, la finition extérieure des bronzes. Et puis, vous avez aussi les personnes qui sculptent le marbre. Aussi que sa capacité à agrandir et à produire des œuvres qui sont de plus en plus grandes ou rétrécies, ou au contraire miniatures, elle correspond aussi à l'invention d'un outil qui est un compas à trois points, et qu'au fond il profite de ces avancées techniques qui sont déjà bien rodées quand lui les utilise. Et il faut aussi savoir que Rodin ne sculpte pas lui-même ses marbres, ça n'est pas du tout un tailleur sur pierre, et qu'il a vraiment ce qu'on appelle dans notre jargon des praticiens, et qui sont souvent de bons artistes ou des artistes jeunes qui ont besoin de travailler, de gagner de l'argent pour faire leurs propres œuvres en dehors. Et donc Antoine Bourdel est un des exemples, un des artistes qui sera relativement connu, on va dire, français, qui est plus jeune que lui, et qui a une admiration éperdue pour Rodin, et qui sculpte pour lui. Alors, comment est-ce que cette invention, elle passe dans les dessins? Donc là, on a un dessin qui correspond à une aquarelle, disons, de la, qui est faite grosso modo dans un style qui est après 1900 pour Rodin, avec cette importance de la chevelure. Donc là aussi, je vous renvoie à l'importance littéraire de la chevelure. On a les poèmes de Baudelaire qui sont très importants sur ce thème-là. Et donc, quand on le prend dans ce sens-là, c'est peut-être le sens dans lequel il faut le regarder, puisque c'est le sens dans lequel Rodin a écrit. Et je vous renvoie aussi à la sculpture que je vous ai montrée tout à l'heure, queue de poisson. Là, on a métamorphose en poisson, tombe dans l'eau. Et on discutait tout à l'heure avec la conservatrice, ici on a écrit bas, et c'est donc Rodin qui décide que le dessin change de sens, et il écrit bas pour qu'on ne puisse pas se tromper. Donc il y a des fois où la notation est très claire, et des fois où la notation n'est pas si simple que ça. Donc voilà la sculpture qui est poisson. Alors l'élément aquatique, il est très important chez Rodin, et je voulais vous montrer aussi comment il travaille à partir d'une femme qui est à quatre pattes, qui marche à quatre pattes. C'est quelque chose qui m'avait un peu étonnée, que je trouvais relativement misogyne à certains moments. Et quand j'ai commencé à les regarder, je me suis aperçue qu'il n'y en avait pas une interprétation. Donc là, c'est l'inscription en bas à gauche, c'est « faire en sculpture ». Donc il y a bien des moments où il y a des dessins qui lui conviennent et qu'il décide de garder et de transférer en sculpture. Donc ici, c'est un dessin de la même figure sous un autre point de vue, mais où il n'y a aucune annotation. Donc ça, c'est la manière de dessiner avec un trait de crayon, l'aquarelle qui déborde ou qui rentre dedans. C'est pas grave, parce que ce qui compte, c'est l'énergie dans la manière de faire, et puis les cheveux souvent qui sont une espèce de tache avec des accidents, mais là aussi c'est la manière de Rodin de faire avec ces figures qui sont en sculpture ce qu'on appelle non finies, et là vous avez la manière dont l'aquarelle a séché toute seule, parce qu'à cet endroit-là il y avait un peu plus d'eau, un peu moins d'eau, et le pigment s'est réparti de façon différente. Alors, la suivante, il y a écrit « table ». Donc, c'est l'idée que la femme peut devenir une table et qu'on peut mettre des choses dessus. Alors, ici, c'est le dessin. Ici, ça n'est pas un sein, c'est le genou qu'il faut comprendre. Et ça, on le voit aussi d'après les sculptures. Ici, vous avez une autre interprétation. Alors là aussi, on a des scènes qui racontent comment il fait certaines inscriptions. Il y a écrit « très beau ». Donc ça, c'est Rodin, et sa secrétaire nous dit « bon ben,
certains dimanches, on sortait les dessins, on regardait, et Rodin disait « Ah, très beau, beau, ah, surtout, écrivez-le dessus ». Donc, ce n'est pas forcément non plus l'écriture de Rodin. Il faut savoir que Rodin écrit extrêmement mal et qu'on s'arrache les cheveux pour déchiffrer ce qu'il écrit. Alors ici, vous avez Capricorne. Donc Capricorne, c'est le nom d'une constellation. Et puis, ça correspond aussi à ces jambes qui sont repliées, qui sont un peu comme tout à l'heure les jambes dans la sculpture du diable. Et là, vous avez Rayon. Et donc c'est lancé rayon, et c'est un peu ces rayons qu'on peut trouver et qu'on retrouve aussi dans d'autres dessins qui donnent ce rayonnement. Donc un dessin qui peut aussi avoir été vu de façon différente, puisque là on a deux côtés pour le voir, et celui-ci, ben, il a carrément changé d'avis, il a barré, donc il a écrit ondine, marine, nage, quelque chose qui est très clairement une femme dans l'eau, donc quelque chose qui flotte. Il y a toujours un intérêt énorme pour des figures flottantes, soit dans l'eau, soit dans l'air. Encore fait en sculpture, donc il y a vraiment un intérêt pour cette figure. Et bénédiction. Donc bénédiction, c'est aussi, ça renvoie à quelque chose qui est plus symboliste. Donc on sait qu'il y a une sculpture de bénédiction, mais qui ne ressemble pas du tout à ça. Et puis, de temps en temps, ici aussi, on a des petites choses qui veulent parfois dire des choses, parfois non. Alors voilà la sculpture que j'ai trouvée qui s'en rapproche le plus. Donc c'est la muse tragique de Rodin, qui est, les muses viennent plus ou moins de la porte de l'enfer, et ce sont deux muses qui accompagnent le monument à Victor Hugo. Alors Victor Hugo est là, et la muse est ici, et donc on a une vision qui est assez différente. Alors, autre personne qui est comme ça à quatre pattes, c'est Hugolin. Donc le Hugolin que je vous ai montré dans la porte de l'enfer en bas à gauche. Alors Hugolin est mis en prison, il meurt de faim, et son gros dilemme, c'est de manger ses enfants. Et donc là, on est au moment où il s'apprête à dévorer ses enfants. Alors là aussi, il faut voir les traits de crayon de Rodin, hein, qui dessinent et qui marquent des choses, pour les garder dans la tête, soit pour les retravailler plus tard. Alors, autre figure, c'est la naissance de Vénus. Donc toujours la même personne, à quatre pattes, un peu dans un sens un peu différent, et ici vous avez de l'eau, donc c'est normal parce que Vénus naît d'un coquillage dans la mer, donc ça correspond à cette chose-là. Mais il faut savoir aussi que cette attirance de Rodin pour les figures dans l'eau, il y en a un certain nombre, et très souvent ben, c'est juste comme ça, un lavis bleu, qui envahit totalement la feuille, soit qui ne donne qu'une seule partie, donne un niveau d'eau. Donc une figure qui est réinterprétable en quelque sorte à l'infini. Et c'est toujours cette vision-là d'une femme à quatre pattes. Alors là, vous avez encore l'eau en bas, et puis vous avez un petit bateau. Donc qui vous donne un sens de lecture, et puis ici vous avez encore une inscription, mais j'arrive plus à la relire et je l'ai pas retenue par cœur. Et je vous donne le dernier dessin de ce genre, enfin pas le dernier parce qu'il y en a d'autres que je n'ai pas retenu, et là aussi vous avez Métamorphose avec cette emphase sur la chevelure. Et ce qui est aussi intéressant avec Rodin, c'est que par moments, ses chevelures, elles ont tendance à devenir des rochers sur lesquels s'appuient des femmes. Et là aussi, vous avez des espèces de métamorphoses, beaucoup de l'homme et de la femme qui sont unis avec la nature et qui deviennent des montagnes, des glaciers, des rochers. Enfin, une sculpture où la femme est plus ou moins dans cette position-là, et je crois que vous l'avez ici aussi, c'est la Danaïde.
Et la Danaïde, là encore, elle vient de la porte de l'enfer. Alors, je vous ai mis une dernière photo, un dernier dessin qui vient d'apparaître sur le marché il y a un mois, que nous ne connaissions pas auparavant. Donc, on se pose beaucoup de questions sur qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est, et on n'est pas du tout d'accord entre nous au musée. Mais moi, je pense que c'est une première pensée pour Dante avec un enfant dans les bras et quelqu'un qui vient pleurer, qui vient implorer. Et donc, vous avez ce capuchon qu'on retrouve dans les premières versions de Dante. Donc, la première version, pardon, de Dante, c'est bien le penseur qui est en haut de la porte, hein, et qui devient donc ce penseur-là. Vous retrouvez encore vaguement la chevelure qui est quand même un peu raide. Et cette figure, donc, je tiens à vous dire que c'est là aussi une manière de dessiner qui est la première manière de dessiner au moment de la porte de l'enfer, donc où il y a beaucoup de noir. C'est pour ça que Bourdelle a appelé ce type de dessin des dessins noirs, avec un rehaut de peinture blanche. Et puis on se pose aussi la question de l'inscription en bas. En bas, donc certains y voient écrit mon oubli, donc oubli puisqu'il faut oublier tout ce qu'il y a dans l'enfer. Et sinon, moi j'avais pensé voir le nom de Pignatelli, qui est un de ces modèles hommes vieux, dont je trouvais qu'il avait un peu ce type de chair et d'aspect. Mais là aussi, on n'est pas entièrement d'accord entre collectionneurs et conservateurs. Et c'est aussi intéressant, ici, vous avez à mon ami Roll, Auguste Rodin, et Roll a donné ce dessin à son ami, dont il a fait le portrait de la femme en sculpture. Roll lui a donné un énorme tableau, et alors c'est aussi assez étonnant parce que le goût de Rodin est très varié, et ce grand tableau, c'est une femme qui garde une vache dans un grand paysage verdoyant, donc quelque chose qui a peu à voir avec la production de Rodin. Voilà pour vous montrer, pour vous inciter aussi à regarder d'une nouvelle manière la façon dont travaille Rodin, dont il est, pour moi, vraiment précurseur dans sa manière d'aborder l'art, et puis à la fois par moments très classique dans ses départs, mais il y a un travail considérable de maturation, de réutilisation, d'aboutissement, de transformation de l'œuvre, qui fait que ben, pour moi c'est un des grands génies, des artistes géniaux de notre temps, qui à la fois qui arrive à faire la synthèse du 19e siècle et à beaucoup annoncer les pratiques artistiques du 20e et du 21e siècle. Je vous remercie de votre attention.